Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui au skatepark de Castelnau en fin de journée. Petit soleil, tu vois, d'automne dans le sud. J'imagine qu'à Paris, pour les gens du nord, il doit faire un peu plus frais. Bref, ça n'empêche qu'aujourd'hui, on s'est motivé avec le caméraman qui est derrière moi, vous allez voir qui est cet invité tout de suite, de réussir un tricks impossible. Tout simplement parce qu'hier on l'a essayé, on n'était pas très loin. Quand je dis pas très loin, c'est là il y a encore une vidéo entière d'essai. Et c'est pour ça qu'en fait on s'est dit on fait une vidéo. Bref, ce trick c'est le body varial. Je vous mets des images tout de suite de ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, le défi, c'est de réussir ça. On ne rentre pas chez nous sans avoir réussi ce trick. Et tout de suite, on découvre qui est l'invité qui va faire ça aujourd'hui avec moi. Camille, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Le focus était mauvais sur toi. C'est pas grave. Tu te sens comment là? Déjà, t'es qui? Je pense que ça sert à rien de te présenter, mais... Je suis. Il est. Bref, ce body varial, tu le sens comment? Je pense que pour moi, ça va être compliqué. Bon, Kylian, il a fait quelques tries hier. Il avait de fou. Moi, j'ai fait quelques tries, je suis pas trop mal non plus. Mais bon, on va essayer. De toute façon, on a dit, on rentre pas chez nous pour qu'on l'a pas mis, donc... Genre, vous voyez où est le soleil? Il est vers là. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour voir que là, c'est la nuit, qu'il reste pas beaucoup de temps. 45 minutes. Donc, on va commencer par s'échauffer tranquillement. Et dès qu'on sera bien chaud, qu'on aura la goutte de sueur, tu connais, on essaye ce body barrel. Let's go. Ah, je suis essoufflé. En plus, je sais pas si vous savez, allez voir sur Insta les gars. Je me suis fait mal à la côte sur un gros rail. Je commence à peine à rouler depuis 2 jours. Mais c'est pas grave, on est là. Bref, on est bien chaud là avec Camille. Donc le soleil est encore assez haut pour qu'on, pour qu'on se jette sur notre tricks. Le body varial. Donc sans plus attendre, on va aller se retrouver sur la box et faire nos premiers essais. Je pense Camille, tu vas essayer. En ça premier? Va être drôle. Ouais. J'essaie en premier, j'essaie en premier. Allez, c'est parti, let's go. Donc, le body varial, ça consiste à faire un 3-6. Genre le corps il fait un 3-6 et la tête reste statique. Donc ça ressemble un peu genre un truc comme ça. On rentre un peu en l'air, on va essayer de coller les pieds. Donc vous en doutez, moi j'en ai pas vu beaucoup des gens faire des body varial en ce moment, genre en France ou quoi. Donc c'est hyper compliqué à faire comme tricks. Et on va essayer de faire ça tout de suite. C'est quoi? On te regarde, ton premier essai c'est maintenant. Ça va être marrant, ça. C'est bon? Allez. Première. Eh, pas si mal. Bon, la crotte elle est partie en zdeg. Mais pas si mal, mieux qu'hier. Comme quoi la nuit porte conseil. Ça n'a rien à voir. Ce que je propose Camille, c'est que tu tryhardes un petit peu. Ouais. Après moi je vais tryhard. Et selon la personne qui est la plus proche, bah on verra, hein. Enfin de toute façon faut le mettre. Donc là il n'y a plus qu'à... Le premier qui le met... Oula, non, je le sens pas. celui qui le met pas, genre celui qui perd quoi, il doit ralasse quelque chose. Bien, non, bien, on fait différent, on ralasse pas pour nous. Mais on ralasse à nos abonnés. Des pièces par exemple, en mode une paire de roues. On fait gagner une paire de roues. C'est pas un truc que tu peux faire gagner chez toi? Je sais pas, moi les poignées éthiques. Bah voilà. Si je le mets en premier, tu fais gagner des poignées éthiques sur ton compte Insta. Si je perds, je dois bien avoir un truc à la maison, une paire de roues, pareil, des poignées. On fait ça? Bon, ça te va? Vas-y, ça m'arrange. Let's go. Yes, c'est le sponsor qui paye, c'est pas moi. Yes. Oh yeah. Wouah. Et là je suis tendu là, je me dis que je vais devoir payer un petit truc à mes abonnés, dis donc. Imagine je le mets maintenant là. Bah vas-y, rien, j'ai pas coupé la vidéo. Ce serait dans le titre, ce trick, il met le titre, il met le trick impossible en 3 essais. Vas-y, c'est bon. Allez. Ah ouais, non, non, non. Malheureusement. Bon, on l'a vu, Camille c'était pas ouf.
Moi, je vais faire quelques essais. Ça se trouve, ça va pas être ouf non plus. Et après, on va se mettre un plan fixe, on va juste tryhard. Et quand on sera proche du Trix, là, on filmera bien pour que vous ayez une belle vue du Trix. Allez, j'essaye. Les gars, ça va être ça pendant au moins 100 tries. Oh, rattrapé. Bon, comme Camille a dit, on va pas s'entêter, on va poser le plan fixe et on va tryhard sa grand-mère. Les gars, je reprends vite fait la caméra parce que là je suis tout proche, vraiment je le sens. Camille il va commencer à comprendre, là je le vois très bien. Donc on va laisser le plan fixe parce que c'est le meilleur moyen pour tryhard et réussir le Trix. S'il faut, on le remettre à propre, bien filmé après. Mais je sens que ça va passer là bientôt, donc on laisse le plan fixe et ça va passer. Pardon, c'était zoomé, c'est pas grave, on la garde. Ouais, là, je commence à être KO, la nuit est proche de tomber. Bon là je sais rien, Camille a du mal à trouver la technique finalement. Pas grave, on essaye quoi qu'il se passe jusqu'à qu'il y en ait un de nous 2 km. Et moi je suis vraiment pas loin, je pense que ça passe soit dans 10 tries, soit c'est pas aujourd'hui. Mais quoi qu'il se passe, cette vidéo elle va sortir quand je l'aurai mis. Donc je le mettrai dans cette vidéo. Bon bah là, on est le next day du next day. Donc 2 jours après avoir fait la vidéo où normalement on devait pas rentrer chez nous sans réussir le Trix. Mais vous imaginez bien que la nuit, bah, elle a pas dit genre non mais t'inquiète, je reste, j'attends, le soleil va rester un peu plus tard, il va finir sa journée plus tard aujourd'hui pour vous laisser réussir le Trix. Bah non, la nuit c'est acté, elle est arrivée à 19h40 je crois et elle est partie le matin vers 6h. Donc forcément ouais, on n'a pas mis le Trix ce jour-là. Mais comme je l'ai dit, cette vidéo ne sortira que si le Trix a été mis. Donc vous imaginez bien que le Trix a été mis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dérushé toute la vidéo. J'ai regardé tous les essais un par un pour essayer de comprendre ce qui allait pas. J'ai étudié les gens qui savaient déjà le mettre. Et je me suis dit, je reviens le lendemain au skatepark avec une seule idée en tête, réussir le Trix. Sauf que cette fois-ci, j'y vais pas vers 19h, j'y vais vers 14h et j'ai toute l'après-midi jusqu'à la nuit pour réussir et je ne pars pas du skatepark sans le réussir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé au skatepark vers 14-15h, j'ai posé la caméra, il y avait un peu de vent, mais du soleil, et j'ai directement échauffement et j'ai essayé le Trix, sans réfléchir, sans même faire d'intro, rien du tout, direct le Trix, plan fixe. Si vous regardez le plan fixe, il est même pas droit, il a la rage parce que nique sa mère, je voulais juste réussir le Trix. Et vous allez voir, dès le premier essai, bah, tout le travail de la veille a porté ses fruits, parce que tout simplement, il y a une grande avancée et j'étais déjà beaucoup plus proche que la veille. On regarde ça. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, dès le premier essai, j'ai compris, j'ai capté que j'étais, ça allait le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal d'autres essais, et chaque essai, on était très proche. Je vous en mets un petit best-of, là. Et vous voyez, à chaque fois, je tourne, je suis plus au-dessus de la crotte déjà, je plaque des fois à un pied, parlons de mettre les 2 pieds. Ouais, je parlais trop, je respirais pas, désolé. Je viens de manger. Bref, on reprend, et là, je me dis, à chaque essai, tu vois, 200%, je le mets. Et le fait de me dire ça, de réfléchir à tout ce que j'ai fait la veille, voir les vidéos, et ben mec, ça marche. Et ça marche parce qu'en 20 essais, voilà ce qui est arrivé. En 20 essais, les gars, j'ai réussi à cut la malchance de la veille où on a fait plus d'une centaine d'essais. Let's go, on regarde ça ensemble.
Bref, voilà, on a donc réussi, enfin, j'ai réussi le tricks impossible. Camille doit donc vous donner des poignées, je sais pas comment elle veut les faire gagner, peut-être sur Insta, sur YouTube, j'en ai aucune idée, c'est lui qui se débrouille. Et s'il le fait pas, spammez la chaîne en dessous là, les commentaires, comme ça, ça me fera un peu de référencement. Et au final, on est tous contents. Yo, c'est Camille, du coup, c'est pour vous dire que j'ai décidé de pas continuer le challenge parce que j'avais cours le lendemain et j'ai pas pu réessayer le tricks. Donc, bien joué à Kegan et j'enverrai une paire de poignées comme promis. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé ce type de vidéo pure ride un peu à l'ancienne mais quand même différente avec du défi, du challenge, des invités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker forcément et à partager à tous vos potos pour qu'ils voient Strix, parce qu'en vrai là c'est juste la première fois que je l'ai mis. Mais je vais le travailler, on va essayer de le mettre en transfert, pourquoi pas essayer de faire les mêmes tricks que ceux qu'on a vus au début de la vidéo. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, ce sera samedi prochain à 12h. Ciao les potes et bon ride.